Coucou mes chéris, allo c'est Barbie Chétif à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du différé pour cette 1232e review de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout puisqu'il s'agit de Fighting Force, le premier exemplaire sur PS1. J'avais testé le 2, j'avais pas apprécié et celui-ci j'ai préféré largement et je vais vous expliquer pourquoi. Alors on sait tous qu'en fait ça devait être le Street of Rage 4. Donc, et finalement, on retrouve, c'est peut-être pour ça que le jeu est mieux que le deuxième qui s'éloigne un petit peu du truc. Donc là, on a quatre personnages typés. Alors moi, ce que j'ai préféré, en fait, alors c'était un beat'em up ou un beat'em down, beat'em up. Il y a aussi le beat'em left et beat'em right, parce qu'en fait, on peut les taper des quatre côtés et de haut en bas. Donc j'ai trouvé le jeu avec la jaquette arrière à 1 €. Ça, je me suis jeté dessus. Donc j'ai pas plus d'infos, j'en ai pas cherché, on s'en fout, je le dis à chaque fois, mais bon. Donc moi ce que j'ai apprécié dans ce jeu en fait, donc là j'ai pris, je me coupe moi-même, en fait j'ai pris, c'était pas très malin, j'ai pris le personnage le plus mou du slip, donc j'imagine que ça passe, mais voilà quoi, ne vous fiez pas trop à ça, machin. Bonhomme est lent quoi, c'est ça que je veux dire, il est lourd. Alors pour les combats, bon c'est un peu chiant. Mais ça peut aller finalement. Donc moi ce que j'ai préféré, je reviens au début, c'est que d'habitude dans les beat'em up, c'est très souvent répétitif. Parce qu'on avance un couloir, et puis bon. Là je sais pas pourquoi, le fait que ce soit en 3D. En fait voilà, je vous ai un petit peu coupé différents stages. En fait les stages sont assez courts. Mais il y a une petite scénographie à chaque fois. Donc c'est ça qui est rigolo, qui fait que c'est moins... En tout cas pour une première fois qu'on y joue. D'habitude je joue un beat'em up une fois, j'en ai déjà marre. Là ça peut aller. Alors peut-être qu'après quand on y joue 2-3 fois, on en a toujours devant ça saoule de voir que c'est toujours les mêmes ennemis qui viennent par la porte de l'ascenseur maintenant le couloir quoi. Et pour une première fois, je trouve que c'est marrant. Voilà, il y a toujours des petits détails. Alors ce qui est sympa, c'est surtout l'environnement 3D. Donc ils ont bien exploité la chose. Et l'interaction surtout avec les éléments du décor, donc par exemple quand vous tapez le distributeur d'eau coca, il y a une canette qui tombe, il y en a trois en l'occurrence, elle bouge bien, on a vraiment l'impression que c'est juste un détail à la con, mais même ça c'est bien fait, elles rebondissent bien au sol, et si on en boit une, ça restaure de la santé, donc ça c'est bien fait. Alors il y a plusieurs coups à utiliser, mais j'ai pas trop compris parce que des fois selon le bouton, alors il y a un bouton où des fois ça saute et des fois en fait le bouton saute pas, ça envoie un coup de manchette à l'arrière. Si jamais il y a quelqu'un derrière soi, ça le touche. Mais des fois j'appuie sur le même bouton et ça fait un bond. L'autre bouton de temps en temps ça fait un saut et puis de temps en temps ça fait une espèce de smash au sol. C'est peut-être un coup spécial. Alors dans certains jeux, je ne sais plus si dans les Street of Rage c'est comme ça, mais quand on utilise une attaque spéciale, ça fait perdre de la barre de vie. Et je crois que c'est le cas dans celui-ci. Donc des fois, voilà, y a un bouton pour le coup de pied, un bouton pour le coup de poing. Après, soi-disant, je vais peut-être montrer pas dans l'intro, mais au tout début, l'écran des options, configuration manette. Donc vous avez pu voir. Peut-être ma manette qui bug. Parce que là, pour la capture, j'ai utilisé une PS1 avec manette PS1. Voilà. Donc au début, j'ai vu que le son grésillait. Ma foi, c'était pour pas abîmer ma PS2, mais bon, c'était pas une bonne idée. Alors, comme je sais pas trop quoi dire, je laisse la place quelques instants à notre professionnel émérite. Plutonium, je t'en prie, tu peux venir dans les studios, assieds-toi. Tu sais que t'as toujours une place au chaud, au cœur de la meule, de toute l'équipe des reviews de merde. C'est à toi, je t'en prie, merci à vous. Et vraiment, bon courage. Bonjour à tous, préparez-vous à affronter les brutales conséquences de votre entrée. Dans ce jeu de combat et d'action dévastateur, choisissez votre propre route pour venir à bout des armées du Dr. Zeg. Suivez les exploits des 4 membres de la Fighting Force dans leur combat contre une horde d'ennemis 100 fois ni loin. Maîtrisez de multiples coups spéciaux pour progresser dans des univers riches et variés. Utilisez toutes sortes d'objets dans des mondes en 3D totalement interactifs. Ben, ciao Pupito, merci. Hein. Je sais que tu es très demandé ces temps-ci, donc vraiment toujours pareil que... J'aime pas me répéter, mais j'aime pas faire ma lèche, mais c'est vraiment exceptionnel qu'un professionnel de la profession de cet acabit daigne venir dans les studios
dans mon humble review de merde. Donc vraiment, bon, il est déjà parti parce que il travaille, mais vraiment, je suis sans voix. Donc on revient un petit peu au jeu. Ce que j'ai adoré, voilà, ce sont toutes ces petites cinématiques. On a l'impression, voilà, dans ces jeux de baston, d'habitude, moi j'ai l'impression à chaque fois que je tourne en rond, que je tape pour taper, et qu'il n'y a pas de progression, que ça me fait chier, quoi, tout simplement. Et là, je m'imagine quand même une petite progression mentale. Je me dis, ah ben là, je vais arriver, lui, il faut lui courir après. Bon, c'est tout con, mais c'est sympa, parce qu'il y a des jeux qui ne le font pas après. Donc il y a un côté old school avec les clones qu'on revoit 50 fois, mais en fait à chaque stage c'est pas les mêmes. C'est les mêmes à l'intérieur du stage, mais ça va changer. Ces nanas là, on les a pas vus avant et on les verra pas dans le stage d'après. Donc c'est ça que j'ai apprécié dans ce jeu, c'est que malgré la répétitivité, on voit que chaque... c'est un peu comme un acte dans une pièce de théâtre. À chaque stage c'est un acte différent d'une petite histoire. Donc là, en l'occurrence, on doit aller, j'imagine, hein, aller chercher le méchant, sauf que le méchant se casse. Donc on a compris que au tout début, on arrivait sur les lieux, on arrivait sur le parking. Après, on entre dans la pièce, dans le hall d'entrée. Le stage d'après, on prend l'ascenseur pour monter au dernier étage. Là, on arrive au dernier étage, et ainsi de suite. Donc c'est ça que j'ai vraiment apprécié, très intéressant. Alors là, les petits détails, toujours, un détail qui tue. Comme il a cassé là, on est tout en haut d'un building. Et j'imagine qu'il y a une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, d'appel d'air là, de côté truc atmosphérique. Et il y a rien que le fait qu'il y ait trois petits papiers qui volent tout le long du stage, et ben ça maintient ce truc sympa, quoi. Alors j'ai laissé en normal et j'ai trouvé que le jeu n'était pas spécialement difficile. J'ai fait quelques erreurs. Alors à savoir que dans ce jeu, on peut appuyer sur L1, ça fait la course, un peu comme dans un Mortal Kombat 3, à partir du 3, c'est ça, on peut courir avec un bouton, avec une gâchette. Bon là, le personnage est très très lent. Alors il a quand même pas mal de coups à son actif, on peut donner coup de pied, coup de poing. On peut agripper un adversaire, c'est ce que je vais faire là. Soit on lui fait le coucou de genou, ou le brise-nuque, ou le brise-rein, je sais plus comment ça s'appelle dans le catch. Soit on le balance par-dessus la troisième corde et on peut rouler, faire une espèce de blanquette de veau, ou alors on peut faire un saut de l'ange à la Zangief. Donc des fois je me fais toucher que non, parce que c'est juste le fait que le personnage est un peu lent et le temps qu'il démarre quand on appuie sur le turbo, le temps que je parte, l'ennemi m'a déjà touché. Donc là c'est le saut, c'est parce que des fois j'appuie sur le bouton qui est soi-disant attaque spéciale. Mais ça la déclenche pas et ça fait un saut à la place. Donc là on sait pas d'où ils viennent, hein. Il y a un angle mort, ils viennent d'en bas de l'écran. Alors là où je suis déçu du jeu, une petite déception, c'est qu'il y avait le bouton caméra. Et en fait, voilà, c'est cette attaque. Oui, c'est synchro, j'ai eu un renvoi pile au moment où ça a fait l'attaque. Oui, donc c'est le... comment ça s'appelle, putain, j'arrive, je me suis coupé. Ah mais je sais plus ce que je voulais dire, ma foi. On coupera ça au montage, hein, on profite qu'on est en différé. Donc il faut récupérer des petits trucs. Oui, la caméra, mais putain. Moi je pensais qu'on aurait une caméra subjective et ça m'aurait vraiment j'aurais apprécié d'avoir cette caméra là pour pouvoir débloquer pourquoi pas des full assisted low run. Mais là non, la caméra en fait ça permet juste d'avoir un plan légèrement plus large, c'est-à-dire la caméra elle recule, comme si en fait on a l'impression que le jeu on est sur une caméra, comment ça s'appelle, une caméra grue, sauf que ce serait une caméra grue qui zoome constamment sur nous, et quand on appuie sur ce bouton, ça recule, voilà, ça fait le plan large. Et ce qui est bien, c'est que pendant qu'on peut laisser appuyer sur ce bouton L1 tout le long du combat, comme ça on a une vue d'ensemble, on voit arriver les ennemis. Donc je trouve que c'est bien vu, parce que même si la caméra elle est pas libre, elle est dirigée, on peut pas se plaindre de dire ben non mais là j'ai pas vu l'ennemi. Il suffit d'appuyer sur ce bouton L1 comme je fais là. Même si là comme on est loin, c'est un peu le côté Little Big Planet, quand on est loin des fois à certains endroits, la caméra elle-même elle fait un plan large. Donc ça c'est bien vu je trouve. Et là comme c'est en différé, je sais plus si ça se fait automatiquement, si c'est moi qui ai appuyé. Donc là encore une fois on est arrivé en bas, on a des motos qui nous foncent dessus. On a une aire de jeu assez grande, c'est pour ça que je suis parti dans le coin, c'était pour voir et pour vous montrer un petit peu. On voit qu'il y a des effets... Alors c'est pareil pixelisé, mais moi j'adore cette pixelisation là, cette 3D là, je trouve que c'est assez beau.
Il y a plein de petits effets, une caisse qui est posée là, et puis les, comment ça s'appelle, les vitrines, c'est pas les mêmes. Donc même si ça peut paraître maintenant assez simpliste, il y a quand même des petits détails sympas qui font que ça reste très agréable, je trouve, à jouer. C'est pas un jeu bac à sable, mais on a l'impression qu'on est moins cloisonné que dans un Power Rangers, quoi, où c'était juste un écran à la con. Là, on peut un peu divaguer, on peut pas les semer. Là aussi, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne nous courent pas après, donc on peut pas débloquer le Benny Hill Full Assisted Lorraine, là. C'est un peu dommage, ils avancent lentement. Mais ce qui fait que si on veut juste comme ça profiter du terrain, un peu partir dans les coins, on a quelques secondes de répit pour profiter de l'univers 3D. Donc vu que là c'est un... ils en font la pub, hein, ils se sont targués de faire un jeu 3D, un univers 3D, un truc interactif, et ben, voilà, ils se sont pas trop... ils ont pas menti sur la marchandise. Alors on peut récupérer plusieurs objets, alors je sais pas si ce personnage là, il est lent au départ, ce qui fait que pour rattraper des objets c'est très très lent. Donc on peut se faire taper entre temps. Il y a certains véhicules qu'on peut taper, d'autres pas. Boum. Alors ce qui est un peu... après des petits détails techniques comme ça, les ennemis quand ils nous balancent quelque chose, même si on a fait un rouli-bouli, on a l'impression d'avoir évité la chose, on se le prend quand même. Même si on n'est pas vraiment sur la trajectoire, c'est comme si on s'était pris le coup. Donc là, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas taper sur le camion, c'est qu'en fait, il s'est, fallait attendre une deuxième fois. Un petit sandwich, voilà. Que dire d'autre ? Je trouve que le jeu est sympa, quoi. À la rigueur, je préfère jouer à celui-ci qu'au Street of Rage 2D classique. Et puis on va voir, on va continuer un petit peu. Alors là il n'y a pas trop de difficultés. Ce qui est un peu con c'est qu'ils arrivent 3 par 3. On sait pas d'où. Là il y a un petit passage shooter, là il faut éviter. J'ai pas compris au départ mais voilà. Il faut éviter. Donc ça change un peu de. Il y a quand même des murs invisibles. Bon, on voit quand même, ils ont fait en sorte que ce soit pas trop lassant. Il y a des petits trucs comme ça qui viennent. Donc, pour l'époque, je pense que ça devait être impressionnant, quoi. De voir ça, hein, parce que ça faisait... on avait vraiment l'impression de passer un cran au-dessus. Donc, alors oui, le jeu quand même facilité parce que il y a plusieurs choses qui nous rendent, qui décuplent notre puissance. Ben voilà, les tessons de bouteille, les barres à mine, les on peut prendre des trucs. Après, je sais pas, on peut jouer à deux simultanément. Voilà, ça c'est sympa. Par contre, je sais pas comment va se passer l'histoire de la caméra. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Que le manuel est traduit en italien et en espagnol aussi, pour la version européenne en tout cas, ça fait toujours plaisir. Donc là on peut les semer, on peut partir, on voit qu'il y a même l'éclairage là. Donc c'est un jeu soigné, alors je l'ai pas dit mais bon, Plutonium d'habitude là il a pas pu le faire, et je vous dis il est très pressé, mais le jeu a été développé par Core et édité par Eidos Entertainment, Interactive, pardon, ou inversement, ou la réciproque du vice-versa. Et le jeu est sorti en 97. Core Design. Voilà. Je connais parce que les Tomb Raider est toujours marqué Core, machin. Mais... alors, un coup qui permet de ne pas se faire toucher, c'est quand on court. Hein. Soit on fait la bouboule, soit on fait le saut de l'ange. Et ça c'est sympa parce que c'est pas invulnérable, mais la plupart du temps quand on le fait les autres ennemis ne tapent pas. Parce que des fois oui il y a pas de bouton de garde d'après ce que j'ai compris. Ou alors je me suis loupé, mais en tout cas les ennemis peuvent garder les coups. Et des fois quand on tape en même temps et que eux nous tapent, on se fait avoir. Donc là on a la petite explosion, on a même l'écrissement de pneus. Donc c'est un jeu...
même si ça paraît un peu lent, là, un peu au bout d'un moment on en a marre, mais on sent une ambiance, on y croit, ça fait plus réaliste. Bon, ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas de passants, mais il y a quand même des voitures derrière qui passent. Je sais pas quoi dire d'autre. Oui, c'est un rythme un peu pépère, mais sachant, là, maintenant on a des jeux où on fait que marteler les boutons pour marteler. Là, peut-être qu'on réfléchit un peu plus, on a le temps de voir venir les ennemis. En plus, les ennemis, ils ont un petit côté vraiment loup-bar sportif, ça c'est rigolo, c'est bien fait. Une bonne dégaine, même si c'est maintenant c'est assez caricatural ou stéréotypé, quoique. Quand on voit le look des rappeurs français en termes de stéréotypé, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Donc dans ce jeu-là, ils ont une démarche un peu nanardesque, mais ça fait rigolo, quoi. Je trouve que ça fonctionne bien. Donc on peut garder. Alors les armes, il y en a plein hein, au sol. Et au bout de, j'imagine, dans les 8-10 coups, elle disparaît, donc il faut en rattraper une autre. Les flingues, vous avez vu, il y a 5 balles à chaque fois, ça dépend, des fois 3. Donc c'est pas trop cheaté, ça peut aller. Il y a un bon équilibre. Après, je peux pas vous dire combien il y a de stages dans ce jeu, mais là j'en ai quand même fait pas mal, puisque je vous ai coupé une partie, mais j'ai dû jouer 30 minutes avant de perdre. On a un continu, donc avant de perdre, de mourir, j'ai quand même joué 30 minutes comme ça en mode normal, donc. On en a pour son argent. Hein. Donc là encore une cutscene sympathique, ce qui explique pourquoi l'arène sera un peu plus réduite, puisqu'il y a le camion qui nous change, qui nous barre la route. Donc c'est toujours des petits détails à la con, mais qui dans l'histoire complète, ben, c'est sympa d'y avoir pensé. Quoi. Ça fait que le jeu est soigné. Donc là maintenant, regardez, il y a une espèce de boss. On a un truc réduit. Donc il y a une continuité, une progression petit à petit. Hein, je vous ai déjà expliqué l'histoire de machin. De stage en stage, il y a quand même une histoire. Donc là en fait il faut récupérer la. Vite, vite et casse-toi. Voilà. Heureusement que l'ennemi est lent aussi. Donc là je pensais avoir. Trouver la truc là, le bon timing, c'était presque gagné hein. Donc on a les ennemis, pas les ennemis mais les policiers qui nous regardent. Ouf, il m'a fait une attaque de catch, donc c'était serré hein. Il a quasiment plus trop de l'ennemi. Allez. Et là, attention. Oh, il bloque et je peux pas bloquer. Regardez, elle, sa barre de vie, ça se joue à pas grand chose. Et voilà, ciao Pipito. Donc écoutez, moi j'ai pas. Voilà, je vous ai montré le jeu. Il a de bonnes qualités. C'est un jeu bien sympathique. Que je recommande à tous. Même si ça veut rien dire qu'on dit A. On recommande pas à tous. Bon, c'est pas grave. On va me rentrer son super. Meilleur score. Et moi je vous dis ciao Pépito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces.